Salut les amis. Bon bah je vous raconte vite fait la nuit catastrophe. Le vent a donné, à Bolivie, du coup en pleine nuit je me suis allé, j'y vais au taquet, j'envoie le grand Genac. J'envoie le grand Genac, nickel, super manœuvre. Je reviens dans le bateau, le Safran qui est là, il saute, le bateau part au lof, il vire le grand Genac en morceaux. Je passe 1h30 à récupérer les morceaux. Donc là, bah, deux solutions, soit grand spi, soit le petit Genac qui était encore à finir de réparer. Donc je l'ai sorti parce que dans la soule, j'arrive à rien. Là, je viens de finir de le réparer. Et ça m'embêtait de vous envoyer un message aussi négatif, mais regardez ce qu'il y a. Allez, je prends ça comme un signe. Il y a juste là les dauphins qu'on voit que dans le Grand Sud, qui sont noirs et blancs. Ils viennent d'apparaître à l'instant. Allez, il est là. Ah, vous allez peut-être pas le voir, mais j'essaye. Allez, non, la couleur de la mer, elle est presque marron, quoi. Donc ouais, ici, juste là. Grosse galère, quoi. Du coup, j'ai plus de grand Genac, voilà. Et un riz dans la grand voile jusqu'à la fin de la course. Je devrais pas dire ça parce que ça va donner du ressort à Clarisse, mais bon. Ah, il est là. Yes, excellent. Voilà, ces petits dauphins, on les voit que ici, noir et blanc, comme ça, là. Allez, mon pote, porte-moi chance. Parce que là, c'était pas facile, hein. Allez, ça va le faire, je prends ça comme un signe du destin. Ah, putain. Ah, que c'est dur. Ah la vache. Oh yes, il saute en plus. C'est dur, mais on en rigolera plus tard. Ouais, mec, ou bien? Allez, mec. Allez, parce que j'ai du boulot, brouille-toi. J'ai tout un Genac à renrouler et à envoyer. Et un chien à tomber. Allez, je vais revenir au boulot. Ciao les gars!